Sénateur Harder. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour attirer votre attention sur une question qui revêt une importance particulière alors que notre pays navigue dans un nouvel environnement économique difficile. Novembre est le mois de la littératie financière et il revêt une signification particulière cette année étant donné les tensions auxquelles un si grand nombre de nos concitoyens canadiens sont actuellement confrontés. Il nous incombe à tous de nous préparer à ce que de nombreux experts prévoient comme une période troublante, déjà marquée par des pressions inflationnistes, des taux d'intérêt à la hausse, un endettement élevés des ménages et autres. Pour marquer ce mois et pour aider à faire face à la période que nous traversons, l'Agence de la consommation en matière financière du Canada a préparé une série d'outils éducatifs qui aideront les Canadiens à renforcer leur résilience financière face au vent contraire de l'économie. Le thème de cette année est le suivant. Faites des changements qui comptent. Gérez votre argent dans un monde en mutation. Tout au long du mois, l'Agence et les organisations participantes de partout au pays mettront l'accent sur la façon dont les Canadiens peuvent gérer au mieux leurs dettes pour atteindre leurs objectifs financiers et renforcer leur résilience financière. De nombreux ménages canadiens sont actuellement très endettés, ce qui les rend particulièrement vulnérables à la hausse des taux d'intérêt et du coût de la vie. Le ratio de la dette aux revenus disponibles dans notre pays s'approche de niveaux records et figure parmi les plus élevés de l'OCDE. Pendant toute la durée de la campagne, le mois de la littératie financière sera axé sur 5 grands thèmes, dont la gestion des dettes, la planification de l'avenir et les emprunts judicieux. Il n'y a pas de moment plus important que maintenant pour se concentrer sur ces questions. L'Agence propose un certain nombre de conseils que les Canadiens peuvent utiliser pour relever ces défis. Si vous avez des commettants qui se demandent comment ajuster leur budget, consolider des dettes à intérêt élevé ou élaborer des stratégies pour réduire les dépenses, vous pouvez leur demander de visiter le site canada.ca/mois de la littératie financière. Vous y trouverez de nombreuses suggestions sur la façon de s'adapter et de persévérer face aux choix financiers prévisibles et imprévisibles, aux difficultés et aux chocs de la vie. Le monde financier est de plus en plus numérique et de plus en plus complexe. Comme la lecture et l'écriture, la littératie financière est une compétence essentielle dont nous avons tous besoin si nous voulons prendre des décisions éclairées. C'est un objectif que nous, en tant que sénateurs, sommes tenus de promouvoir. J'espère que vous ferez votre part pour faire avancer la littératie financière.